Hey, salut les gens, c'est Axolotl. Vous l'avez peut-être remarqué, mais dans les épisodes de Science Inutile, il y a un petit TARDIS qui annonce le sujet de l'épisode suivant. Au premier épisode, par exemple, il y avait un Pikachu qui passait sur un TARDIS, et les épisodes suivants ont porté sur Pokémon. Mais si vous avez été attentif, dans la deuxième partie de l'épisode Pokémon, on pouvait voir un petit Wally sur un TARDIS, et cet épisode-ci n'a rien à voir avec Wally. Pourquoi? Bah, j'avais bien prévu de faire un épisode sur Wally et les films d'animation en général, mais avant que je commence à l'écrire, j'ai regardé un super animé, Code Geass, et je me suis dit, ok, il y a matière à faire un super épisode, Wally attendra. Du coup, désolé pour ceux qui attendaient un épisode sur Wally, il viendra, mais pas tout de suite. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'animé Code Geass, allez le voir tout de suite, d'autant plus qu'il est possible que je spoil un petit peu, je vous aurais prévenu. Si vous avez jamais vu le truc, vous dites, mais quel est le rapport entre Code Geass et l'immortalité? Je vous fais un petit résumé de la partie qui nous intéresse. Dans Code Geass, il y a deux pouvoirs, le Code et le Geass. Ouais, le code vous rend immortel, c'est-à-dire que si vous avez le code, il n'y a quasiment rien qui peut vous tuer. Et quand vous avez le code, vous pouvez donner l'autre pouvoir, le Geass, à d'autres gens. Le Geass, c'est un truc qui fait qu'un de vos yeux ressemble à ça. Enfin, ça fait pas que ça, mais bon, après, vu que les effets du Geass varient d'une personne à l'autre, je préfère dire que ça. Genre, lui, il peut se faire obéir par n'importe qui, lui, il peut lire dans les pensées, lui, il peut manipuler le temps, et lui, il peut effacer la mémoire. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'au bout d'un moment, votre Geass devient de plus en plus puissant et finit par s'allumer dans vos deux yeux. Et quand vous avez le double Geass, vous devenez assez puissant pour tuer un porteur du code. Si vous tuez une personne qui a le code, c'est vous qui héritez du code, vous devenez immortel, vous passez le Geass à quelqu'un d'autre et la boucle est bouclée. Et c'est là qu'on en arrive à ce personnage, CC. C'est elle qui est la principale porteuse de code dans Code Geass. Et le truc, c'est que notre amie CC, elle est vieille de plusieurs siècles. Et elle en a marre de vivre. Imaginez, hein, vous vivez plusieurs siècles et vous pouvez pas vous attacher à quelqu'un parce que si vous vous attachez à quelqu'un, il va finir par mourir et vous allez être triste. Donc tout ce qu'elle veut, elle, c'est mourir, parce qu'elle en a marre. Et vu qu'elle est âgée de plusieurs siècles, ça fait perpète qu'elle essaie de trouver quelqu'un avec un Geass puissant qui puisse la tuer. Le truc, c'est qu'en général, les gens qui ont un Geass puissant ne veulent pas la tuer au final. Genre lui, par exemple, il en est tombé amoureux. Lui. Oh, d'ailleurs, qu'est-ce que je hais ce personnage. Bref. Du coup, CC a le choix. Soit elle attend de trouver un gars avec un Geass puissant et qui acceptera de la tuer. Soit elle se tourne vers ce mec bizarre avec une tête de poisson et des lunettes de soleil qui lui dit avoir les moyens de le tuer sans avoir de Geass. Ça donne pas super confiance, mais bon, si c'est de la science. Alors allons-y. Déjà, il faut savoir contre quoi on se bat. L'immortalité de CC, c'est ce que j'appelle une immortalité régénératrice. Ça veut dire que son corps se répare mieux que la normale. Genre vous, vous coupez à la main, vous avez une cicatrice, et puis après, il n'y a plus rien. CC, c'est pareil, mais en mieux. Elle se prend une balle dans la tête, et 3 épisodes plus tard, elle est sur pied. Nanali, je suis rentré! Bonsoir, Lelouch! Je vois des biatches qui sont mortes. Et je vous cache pas que le cerveau, c'est mais compliqué à réparer. Bref, du coup, la première question à se poser, c'est est-ce que l'immortalité régénératrice peut tout supporter? Genre, une balle en dedans la tête, ok, mais il y a la majorité du corps qui reste. Mais ça, elle y résiste? On va supposer que quoi qu'il arrive, ses cellules peuvent reconstruire son corps, parce que sinon une petite presse hydraulique et puis c'est réglé. Et moi je suis triste parce que j'ai pas parlé de mes trous noirs adorés. D'ailleurs, ça nous donne des situations assez étranges quand même. Genre si on coupe CC en deux, est-ce que chaque partie va en faire une autre et qu'on va se retrouver avec 2 CC? Non, il n'y a pas d'approfondissement là-dessus, j'ai juste trouvé l'idée marrante. Bref, donc on a une CC qui peut se reconstruire quoi qu'il arrive. Projetez-la dans 10 milliards d'années. C'est long. Très long. Tellement long que d'ici là, le Soleil aura gonflé jusqu'à en avaler la Terre et que notre galaxie aura fusionné avec Andromède pour former la super galaxie Milkomède. Quelle originalité. Donc on a notre CC qui flotte dans le vide spatial en orbite autour du cadavre de notre Soleil, elle a survécu à son explosion et elle est maintenue en vie sans boire, manger ou respirer par son code qu'elle a eu amplement le temps de maudire pas mal de fois. Elle n'a pas intérêt à en arriver là parce qu'à partir de là, elle a plus d'espoir. Elle vivra jusqu'à ce que le temps lui-même s'arrête, sans moyen de faire quoi que ce soit. Donc, il faut qu'elle ait les matériaux pour mourir avant que le soleil ne rende la Terre inhabitable. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, c'est assez simple, je vais lui prêter tout ce dont elle a besoin pour détourner le Geass. Un vaisseau spatial. Vous dites que ça n'a pas de sens? Bah, pourtant, ça en a. Peu importe la puissance du code, il ne pourra pas la sauver si pour le faire, il devra faire un truc interdit par les lois fondamentales de la physique, genre aller plus vite que la lumière. Et pourquoi un vaisseau spatial? Eh ben c'est très simple, parce que si ce genre de machine à tuer anti-loi de la physique n'existe pas sur Terre, il y en a dans l'espace. Donc CC démarre le vaisseau. Et elle va où? Le Soleil n'est qu'une étoile comprise dans un groupe d'étoiles appelé la Voie lactée. CC n'a qu'à démarrer les moteurs de mon cher petit colibri à fond et se barrer. Loin.
très loin. En fait, Cécé devra mettre le cap sur le centre de notre voie lactée. Et si elle réussit à l'atteindre, qu'est-ce qu'elle va y trouver, me demanderez-vous? Eh ben... La plupart des scientifiques disent qu'au centre de la galaxie se trouve un très gros trou noir, Sagittarius A étoile. Il pèserait 4 millions de fois la masse du Soleil. Et je rappelle que le Soleil représente 99,8% du poids du système solaire à lui tout seul. Donc on peut le dire, ce trou noir c'est du lourd. J'ai du mal à croire que j'ai fait cette blague et j'en suis sorti vivant. Bref, reprenons. C'est quoi un trou noir? C'est une zone de l'espace dont même la lumière ne peut pas sortir, alors que c'est la chose la plus rapide de l'univers. J'explique. Si vous êtes sur Terre et que vous voulez vous barrer dans l'espace, il vous faudra aller vers le haut à une certaine vitesse. Et ben, si vous prenez le Soleil et que vous le mettez dans une sphère de 6 km de rayon, et que vous vous trouvez sur ce Soleil super compressé, pour quitter sa surface, il vous faudra aussi une certaine vitesse. Le problème, c'est que cette vitesse, elle devient supérieure à celle de la lumière. Donc, vous ne pouvez pas sortir sans aller plus vite que la lumière. Et Einstein a dit que c'était impossible. Vu que la lumière ne peut pas en sortir, on voit donc une grosse boule noire. Et ce qui est dedans? Bah, vu que ça peut pas aller vers l'extérieur, ça n'a pas trop de choix. Ça peut que se compresser encore plus vers l'intérieur jusqu'à se retrouver compressé en un point plus petit qu'un atome. Non, plus petit qu'un proton. En fait, il serait théoriquement infiniment petit. Vertige? Rassurez-vous, c'est pas fini. Après, pour les trous noirs, j'étais un peu bourrin. Si vous voulez une vidéo qui explique très bien les trous noirs en plus en détail, n'hésitez pas à aller voir celle de la chaîne Science Étonnante qui s'affiche en annotation. Bref, revenons à notre CC. Du coup, où est-ce que ça nous mène? Et ben, une fois que Cécé s'est approchée de notre ami le trou noir, elle va se jeter dedans, et après être entrée dans la zone de laquelle la lumière ne peut pas s'échapper, elle va mourir. Pourquoi? Je vous explique. Si un vaisseau spatial où la lumière ne peut pas sortir du trou noir, pourquoi l'électricité le pourrait? Votre cerveau, probablement comme celui de CC, fonctionne en faisant passer de l'électricité d'un neurone à l'autre. Le problème, c'est qu'il y a des neurones en bas du cerveau et des neurones en haut du cerveau. Et vu que l'électricité ne peut pas aller plus vite que la lumière non plus, impossible pour votre cerveau de continuer à envoyer des signaux dans toutes les directions et donc de penser. Et après, on pourrait se dire que CC a fini par mourir, donc ce qui lui arrive après, on s'en fiche. Mais ça pourrait être intéressant quand même de s'y intéresser. Et ça l'est. La force de gravitation exercée par un trou noir est si puissante que rien ne peut y résister. Et par rien, je veux dire rien. Comme j'ai dit plus tôt, tout ce qui entre ne pourra pas faire autrement que de se précipiter vers le centre et de finir compressé dans un point infiniment petit, avec 4 millions de soleils. Du coup, même si pour CC on s'en fiche parce que son problème est déjà réglé, savoir que tout ce qui entre finira détruit et compressé avec 4 millions de soleils peut être intéressant. Allô, appétit? Avant de dire que votre peau était incassable, vous avez pensé à l'envoyer au centre de la galaxie? Publicité mensongère. Par contre, vous me direz sûrement que l'ami trou noir est quand même vachement loin. Et c'est vrai, notre ami le trou noir se trouve à 26 000 années-lumière de nous. Ça veut dire que si on avait un vaisseau spatial qui pouvait aller à par exemple 99% de la vitesse de la lumière, soit 296 794 km par seconde, le voyage lui prendrait 26 260 ans. Et vous me direz donc que, si le trajet dure aussi longtemps, c'est à meilleur temps de trouver quelqu'un qui aurait les capacités de la se tuer. Et vous aurez raison, sans la deuxième intervention du sympathique papy moustachu. Parce que ce qu'a dit Einstein, c'est qu'en approchant de la vitesse de la lumière, vous allez influer sur le cours du temps. Grosso modo, plus vous allez vite, plus le temps s'écoule lentement pour vous. Bien sûr, à des vitesses comme les nôtres, cet effet est négligeable. Si quelqu'un d'immobile vous voit rouler pendant une heure dans une voiture à 60 km/h, vous aurez l'impression d'avoir roulé 59 minutes et 59,99999 secondes. C'est donc négligeable. Mais aux vitesses proches de la lumière, cet effet est vachement important. Et dans le cas de notre CC, qui voyagerait à 99% de la vitesse de la lumière pendant 26 260 ans, pour elle, le voyage ne durait que 3704 ans et demi. Et c'est pas une illusion, c'est la réalité. Si CC décidait que finalement mourir c'était pas top et qu'elle décidait de revenir sur Terre, à la fin de son voyage, elle n'aura vieilli que de 7400 ans et elle aura l'impression que 7400 ans se sont écoulés, mais la Terre aura pris 60 000 ans. Et elle n'a même pas besoin d'aller au centre de les galaxies. Il existe autour de nous des trous noirs moins massifs mais qui ont les mêmes effets. Le plus proche, A0620-00, les scientifiques n'ont vraiment rien à battre du nom des objets, hein, pèse 11 fois la masse du Soleil et ne se situe qu'à 3000 années-lumière. En y allant à 99,999% de la vitesse de la lumière, le voyage ne durait pour elle que 14 ans, en sachant qu'elle a déjà plusieurs siècles, 14 ans de plus ou de moins. Du coup, c'est quoi la meilleure alternative? Chercher un gars avec un guise puissant ou se tourner vers la NASA? Eh ben, ça dépend.
Ça dépend de quoi, vous me demanderez? De l'époque à laquelle vous vivez. En 2016, on ne sait pas construire de vaisseaux qui vont à cette vitesse. Du coup, c'est mieux de chercher un bon GIS. Mais si CC avait vécu à une époque où les vaisseaux quasi-humiliniques existaient, honnêtement, c'est mieux pour elle de passer 14 ans de voyage que plusieurs centaines d'années à chercher quelqu'un qui pourra nous tuer sans garantir d'y arriver. Et en plus, je préfère mourir en ayant comme dernière image ça qu'un vieux mec mégalomane qui se prend pour le maître du monde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bien que le titre contienne science, votre 2 sur 20 en physique ne va pas augmenter d'un poil. Mais pour tous les immortels qui regardent cette vidéo, vous savez quoi faire si vous en avez marre. Et pour les consommateurs qui nous regardent, vous savez comment détruire ce pot de sauce tomate et n'importe quoi d'autre. Oh non, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Déjà, tu arrêtes cette musique parce qu'après j'ai des problèmes de droits d'auteur. Et ensuite, plutôt que de me pirater à chaque fois, tu pourrais peut-être bêtement me téléphoner? D'accord. Il n'empêche que tu prétends que les trous noirs peuvent détruire n'importe quoi. Oui, c'est ce que j'ai dit pendant la vidéo. Parfait. Nous avons une technologie humaine que nous n'arrivons pas à endommager. Nous allons enfin pouvoir nous en débarrasser. Bah allez-y, faites-vous plaisir, hein, vous allez pouvoir. Attends, non, 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 non. Non, non, fais pas ça. Non, tout détruire, oui, mais ça, c'est quand même un petit peu de la folie. Non, non!